Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Robocraft, ce 199e épisode. Oui monsieur, 199. Et avec ça, Free Jam ne veut toujours pas me répondre vis-à-vis du compte presse. Enfoiré ! Enfoiré ! Si vous parlez français chez Free Jam, eh ben écoutez, vous avez tout compris. Bon, donc on reprend avec Maf. Et on va essayer de gagner, de win la game comme on dit, hein. Par exemple on peut mettre GL, HF, voilà. Normalement on le met dans everyone, mais écoutez moi j'en ai rien à foutre de l'adversaire. Good luck, have fun, no rage. Qui a osé? Ok. Boum. J'aimerais bien que tu te prennes les dégâts quand même, mon pote. Oh. Oh! Comment ça se fait que je prenais si peu de dégâts ce truc là? Non, l'autre à côté. Catastrophe. Carrément solide en plus. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Ok, bon, on y va. J'ai vu des tirs partir de là-bas, mais je vois pas d'ennemis. Merci Robocraft. Ok. Hop. Voilà. Faisons peur un petit peu à notre ennemi. Que notre ennemi nous craigne un peu. Allez, grimpe, mon pote, grimpe. Ok. Hop, vas-y, tire encore un coup. Voilà, parfait, on a eu un. Il a fallu s'y mettre à 3 pour l'avoir, mais c'est pas grave. Abinsour qui s'appelle. Intéressant. Et il est en vert, donc c'est d'autant plus intéressant. Je suis pas fan de l'univers de DC, mais je connais Abinsour un minimum. Normalement, il doit être en vert, en vert et en violet. Donc oui, c'est une référence à l'univers DC, donc DC Comics, hein, DC Universe même, je crois que ça s'appelle. Ok. Your middle fusion tower is under attack. Hop. Putain, qu'il est con. Your team has captured the bottom fusion tower. Clock cycle booster activated. Your top fusion tower is under attack. Hop. Hop, on y va, on continue. Hein. T'es sérieux là? Mon robot n'a pas vu la marche. Ok. On y va, prends la tour.
Allez mon pote, prends la tour. Ok. Eh ben non. Tu m'auras pas. Ok. Ah bien sûr. Ah j'aurais pas dû me retourner, j'ai perdu du temps. Mais où est-ce qu'il est mon pote? Mais sauve-moi la vie! Putain mais qu'est-ce que tu t'es fait chier à monter sur la montagne abruti? Ah il est pas en violet. Ouh. Mais bon, il est aux couleurs des Green Lanternes, donc techniquement je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Oh, on te sent vachement utile, toi, mon pote. Your middle fusion tower is under attack. T'es tellement utile. Poker Crafter, l'utilité même. Your middle fusion tower is under attack. Ok, on y retourne. C'est parti, mon kiki. Oh la vache, aussi c'est qu'ils l'ont récupéré, aussi c'est qu'ils l'ont perdu, je crois. Non, je me trompais, c'est pas possible. Sauf si on a 36 000 autour du truc, mais ça m'étonne. Hop. Quoi? Alors moi j'ai entendu dire qu'il y avait un super gros cooldown entre les deux, mais apparemment monsieur est capable de le faire deux fois. J'arrive, je suis juste très très lent. Et il y a apparemment un gros lag. C'est-à-dire que j'ai voulu sauter en haut de la colline, mais apparemment... On dirait un petit peu... comment qu'il s'appelle... Waouh. Optimus Prime, ce mec. Hop. Hop les. Hop. Ça se gère. Merci. Je sais pas si on s'en est rendu compte, mais il m'a sauvé la vie. Excuse l'ami, excuse. Merci. Ah si, Poker Crafter bouge. Ok, je ne l'ai pas eu. Ok. Hop. Ok, ça c'est fait. Ok, ça se passe plutôt bien. Hop. Voilà. Hop. Ça, c'est fait, chers amis. Bon, la bonne nouvelle. La grosse bonne nouvelle. C'est qu'on a une victoire. Avec un peu de bol, on a une victoire en x2. Et je suis deuxième. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, chers amis. Avouons-le, ce n'est pas rien. Bon, bah c'est de la bonne nouvelle. C'est vraiment de la très très bonne nouvelle.
Surtout que j'ai pas spammé le lance-missile comme certains. Mais bon. Et nous nous faisons donc un demi-million. Eh bien écoutez, c'est une très bonne chose. On va partir avec ça. On va bien voir si on arrive à faire autre chose. Et je vous retrouve tout de suite dans la game, chers amis. À tout de suite. Voilà, re, chers amis. On y est, on y retourne, on y va. Hop. Pas mal. Il a suffisamment de propulsion pour se propulser aussi loin, ce qui est génial, ce qui est énormément drôle. Hop. Voilà. Hop, maintenant je te laisse finir. Hop. Voilà. Cassez-vous. Je vais retourner au centre de la map pour pouvoir continuer à couvrir le centre de la map, justement. Je me répète un peu. Ça fait quelques jours que j'ai pas tourné, c'est pas de ma faute. Calmez-vous. Voilà. Ok. Ok. Reste couché. Hop, non. Reste couché, te dis-je. Hop. Est-ce que quelqu'un peut avoir cette saloperie? Là. Hop. Aïe, j'ai pris des tirs. Ok, aïe. Pardon. Hop. Raté. Commence à être nombreux à cet endroit là. Ok. Aïe. Alors. Il me saoule celui-là, vous allez le péter ou pas? Ah! Ah, mais il m'énerve celui-là, à jouer à Mario. Mario sur Donkey Kong là. À Donkey Kong, je sais plus c'est quoi comment. Alors. Et il me saoule. Est-ce que quelqu'un va prendre ses couilles à son cou et littéralement aller le péter ou pas? Hop. Hop. Je l'ai vu voler mais je ne le vois plus.
J'ai cru le voir voler sur la gauche, mais je ne le vois plus, c'est génial. Ok, j'arrivais pas à le toucher. Oh, putain. Vas-y, avance! Ok. Parfait, ils l'ont eu à droite. Hop. Hop, c'est bon. Putain. Tu veux bien me faire le plaisir de crever? Non. Ah. J'avais laissé ce machin là vivant. Non. Je me fais avoir par tous les côtés. Oh, il est super stylé son machin, dis donc. Et ça j'aime. Ça c'est stylé, même si j'ai pas encore compris ce que c'était que ces putains de trucs à lame là. Mais bon, c'est comme ça. Ça c'est stylé par contre. Ça c'est le genre de bot que j'adorerais avoir. Par contre, on n'a pas su profiter de l'occasion, les mecs, comme on dit. Hein. C'était assez moyen là, ouais. Bon, on rush. Enfin, on tente un rush avec un véhicule très lent. Ce qui en soi est très particulier. Hop. Et on va se mettre. Hop. Voilà. On va essayer de se passer par le milieu de la map comme ça. Voilà. Tue-le ! Ah ! Fuite ! Fuite ! Hop ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Allez! Mais tire, bon Dieu! Mais meurs! Wouh! Bien que mal, hein! Non. Tu ne mourras pas si facilement! Oh! What? What? Y'a ça là! Butez-moi ça, c'est en plein milieu de la map! Ya! Yeah. Ah oui, vas-y, feu, venge-moi. Oh, t'as pris tellement cher dans tes fesses par contre. Roule, roule vite, roule très très vite, roule encore plus vite. Ah, tu peux plus rouler. Tu ne peux plus rouler. L'autre il se met à couvert derrière le poteau. Il a tout compris. Il a tout compris. Parfait, ça survit. C'est la survivance, chers amis, c'est la survivance. Comme dans une partie de Zombicide à 3. C'est juste de la survie. C'est pas du massacre, c'est de la survie. À 3, Zombicide, c'est plus très drôle, en fait. Soyons honnêtes.
Your middle fusion tower is under attack. Okay. On va les défoncer. Je descends pas par là. Si, par là en fait. Bonne idée. Marche arrière. Hop, demi-tour. Prenez la tour. Quoi? Oui. Hop, ah! Cassez-vous! Reprenez la tour! Allez! Allez, mec! Allez! La tour! Parfait! Je me suis fait sodomiser! Non! Pas la sodomie! Bon, c'est pas grave, je me suis bouffé une sodomie. Ah, il est stylé ce truc! Je veux le même, hein. J'annonce, je veux le même. Excusez-moi, je viens de taper dans le micro, je veux le même, hein. C'est véritablement stylé. Ce qui me permettra de remettre mes méga SMG sur mon mecha en fait. C'est véritablement stylé. Je sais pas du tout comment ça marche, mais c'est stylé. It's nearly destroyed. Bon, je suis pas dans les premiers, hein, pas du tout, hein. Mais au moins je m'éclate, hein. De toute façon, je peux difficilement être dans les premiers avec un robot aussi lent en fait, c'est compliqué. Quoique, regardez, la dernière fois j'étais deuxième, hein. J'étais bien deuxième la dernière fois. Alors. Ah bah oui, bien sûr, le dernier jeu, je sais c'est quoi. Que je n'ai pas parlé dans la précédente vidéo. C'était bien sûr. The Darkest Dungeon, excusez-moi, j'avais plus le titre. Et de reperdre le titre. Hop là, on a vu mon tir arriver en dernier. Mais bon. Bon. Et ben voilà un bel épisode. En voilà un bel épisode. Cool, cool, cool. On est quand même troisième, hein. Rien à foutre, on est sur le top 3, hein. Bon, bon, bon. Combien on va se faire? Peut-être 300, 400 000, je dirais. Ouais, à peine 500 000. 500 000. Bon, bah écoutez, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Ils sont donc à 6 300 000. Très très proche donc du fameux Blink pour ce robot. Au passage, ce robot, je devais y modifier un truc vite fait. Hop, je veux l'éditer s'il vous plaît. Hop. C'est-à-dire, lui donner ce genre de choses. Ok. Parfait. Je voulais vérifier ça le truc. Est-ce que ça change la couleur des lames? Non du tout. Ok. Ok, ok. Ok. Bon, bon, bon. Alors, peut-être que je devrais tout simplement. Hop. Si je faisais ça comme ça, peut-être que ça fonctionnerait, remarque. Hop. Vite fait. Un petit achat de pas trop cher, normalement, chers amis, hein, ça devrait pas vous déranger. Est-ce qu'il me faut des steering par contre? Peut-être pas. Hop, voilà, on devrait pouvoir récupérer un gros côté d'adhérence au sol. Ce qui doit être une bonne chose, je pense. Pour l'utilité qu'on a de ces skis. Voilà, hop. Crac. Tout le dessous du vaisseau, hop, voilà.
Cosmétique. Ok, voilà. Eh bien, écoutez les amis, moi je vais vous laisser pour ce 199e épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner et rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, parce qu'il y en a à la chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Ce sont deux excellents moyens que vous avez pour me faire connaître, les amis. Je vous en remercie. Encore une fois, merci à vous pour tous vos messages de soutien. C'est toujours très sympathique. Encore une fois, merci. Encore. Mon cerveau a grillé, c'est pas grave. Merci pour tout votre soutien. C'était Marcus Menus dans la Playroom. A plus pour le 200e épisode de Robocraft, chers amis. Salut!